Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir un artiste qui connaît bien le monde des musiques urbaines. Il est l'un des précurseurs du dancehall en Guyane. Bonsoir, Amadeus. Bonsoir, Madame Sansiopo. Comment expliquer une telle violence dans les clips maintenant en Guyane ? Ben, pour ma part, je pense que, à force d'avoir laissé faire les choses, ils sont arrivés à une sorte de dérive qui fait que aussi le phénomène Internet ne favorise pas forcément du bon côté ces artistes qui émergent et qui ont un talent, mais qui font l'apologie éventuellement des armes et des produits illicites. L'Internet, c'est vraiment ce qui explique les choses. C'est vrai que lorsque vous avez commencé, vous, il y a à peu près une vingtaine d'années, vous aviez déjà des textes très explicites, mais vous chantiez plutôt post en gun plutôt que d'exhiber des enfants dans des situations illicites. C'est clair. Et c'est vrai que on va dire qu'ils vont tenir comme excuse qu'aujourd'hui n'est pas le temps d'avant. Mais il faut savoir que, quel que soit avant ou aujourd'hui, pour moi, nous avons les mêmes clichés, nous avons les mêmes problématiques, et qui fait qu'on peut chanter autre chose. On n'est pas là aussi pour éduquer. Hein. De toute façon, l'artiste en lui-même a une mission. À partir du moment où on ne sait pas qu'en tant qu'artiste, on a une mission, qu'on a une jeunesse qui nous écoute, c'est vrai que... Et si derrière, il n'y a pas aussi des anciens pour cadrer... Après, vous savez, les jeunes, ils sont quand même éclatés dans leur cité. Ils sont partout, et ça émerge de partout. Et pour cadrer tout cela, c'est très, très, très difficile. Les anciens, justement, les artistes avec plus d'expérience, parlons-en. Ce clip qui suscite notre discussion, il totalise déjà plus de 20 000 vues. Il a suscité l'indignation de quelques internautes, mais finalement de très peu. On a entendu celle de Maldon MC, on entend la vôtre ce soir. Mais finalement, les autres artistes, on les entend très peu. Comment expliquer ça ? Vous savez, pour celui et celle qui se sont pas concernés, pour qui tout va bien, ne va jamais prendre position. Et vous savez, nous sommes dans un pays où, malheureusement, nous, en tant qu'adultes, certains nous sommes frileux. Nous sommes frileux, et qui fait que cette frilosité fait qu'on la paye aujourd'hui. Et les jeunes, face à des adultes qui eux-mêmes ont peur d'eux, ben, se sentent en toute puissance. Et face à un jeune qui se sent tout puissant, ben, comment voulez-vous avoir un cadrage et comment voulez-vous que l'on soit derrière ? C'est peine perdue pour vous ? Non, je suis de ceux qui quand même donnent un espoir. Parce que tout le monde sait très bien, je travaille dans un milieu assez particulier. Et d'ailleurs, un métier très enrichissant, puisque je travaille avec des jeunes. Et tous les jours, j'ai face à moi des problématiques. Tous les jours, j'ai face à moi ce malaise. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes aussi confrontés à tout ce qu'est le chômage. Et ça, ils le vivent, ils le perçoivent. Et puis après, peut-être que c'est pour eux aussi un sentiment, une façon aussi d'exprimer leur mal-être, puisque la musique est aussi vecteur de messages, mais aussi vecteur d'expression et de sentiments et de comportements. Et là, ben... Si on n'arrive pas à nous-mêmes à cadrer tout cela, et moi, j'appelle quand même à tous ces artistes, vous avez un potentiel, les gars. Donc, arrêtez, utilisez-le à bon escient. Parce qu'il y a une jeunesse qui vous écoute, il y a une jeunesse qui vous regarde. Et là, je tape du poing, et puis après, j'en demande aussi aux autorités de mettre aussi une main là-dessus, parce que vous savez, nous sommes confrontés à des lois aussi, plus ou moins, on va dire, légères, par rapport à cette jeunesse qui arrive et qui émerge. Et il faut que nous soyons vigilants, et il faut qu'on rapporte aussi des réponses pour cette jeunesse qui se sent complètement abandonnée. Merci Amadeus. C'est moi qui vous remercie.